c'est incroyable. Et là, le match va commencer. Alors, Dehan qui va prendre Luigi, Edizé qui va prendre Rosalina. Le match-up promet d'être plutôt pas mal sur Final Destination. C'est parti pour cette première game. Alors, Dehan qui, on le voit, pour le voir, a pris son Luigi noir. D'habitude, il prend Luigi de base. Mais là, il a pris le costume noir. Et là, ça commence déjà. Hein, Dizé qui gratte quelques pourcents, 17% déjà. Ouais, ça va camper hein, du côté de Dizé. 48 déjà. La fusée, 63% la fusée. Ouh, le smash qui a été bien trouvé. Ça tente de downer. Et le misfire de Luigi qui va le sauver du downer de Rosalina, même si je pense que ça aurait pas tué. Et là, pour l'instant, Rehan qui a toujours pas touché Dizé. Hein. Dizé qui est très prudent sur ce match. Ah, le premier coup qui a été mis sur un nerf qui a mis 13%. Attache attaque, hein. Il va envoyer Rehan dans une mauvaise posture. Et là, pour l'instant, Rehan il n'a pas le lead du tout. C'est 97%. Quoique, Luigi, on rappelle, c'est un key power monstrueux. Hein. Ça peut mettre 60% sur une phase, sur un grab, une down throw. Donc, faut pas trop parler vite. Et là, Rehan qui est en train d'essayer de remonter le stage, qui a réussi à revenir au milieu du stage. Un petit back air. F smash, 76% déjà. Ouh là, ça va être compliqué. Heureusement pour Dizé, il a pas pris ce grab. Ça donner le side B de Luigi qui va l'envoyer de l'autre côté, qui va du coup le sauver, je pense. Et là, ouais, ça va être compliqué pour moi de revenir sur le terrain parce que Rosalina c'est très fort hein, en edge guard. À moins qu'il a un misfire là maintenant. Ouh, ça va, il a réussi à revenir quand même. Heureusement son up est bon, mais il se fait catch avec ce up smash de Harmony. Attaque déjà. Harmony qui n'a plus son Luma, hein, malheureusement, pour Dizai. Et la down throw back air qui va pas tuer encore. Et qui va mettre de sérieux pourcents à Dizai. Ouh, ça up smash le Luma qui va le. C'est up smash qui va le tuer. Ça tente de toucher avec son grab. Le smash qui ne touchera pas. Là, c'est un peu compliqué pour Dizai. Rehan qui est un peu en train de bourrer, mais apparemment ça fonctionne vu que ce down B a envoyé son adversaire en offstage. Malheureusement, celui-là se fera catch par les poussières d'étoiles de Rosalina. Le backer qui envoie Rehan encore une fois offstage. Rehan qui aura vu plus de fois le rebord. Oula. Bon, je vais rien dire, mais là, Rehan qui commence un petit peu à revenir dans la game. Donc, il faut tuer cette Rosalina qui veut pas mourir. Hein. Dizai qui a une très bonne DI. Hein. 160% déjà, ça veut pas tuer. Hein. La dash attack qui a été un petit peu greedy hein, de la part de Rehan. Falbe qui valide une tout down B et ça va prendre la première stock de Dizai enfin. Et Rehan qui a un retard de 95%, 99% maintenant. C'est compliqué hein, pour revenir de là dans la game. Voilà, Dizai qui est en train de frame trap Rehan, c'est compliqué, vraiment trop compliqué. À moins que hein, Luigi. Ça peut tuer à 6%. Voilà, down throw, up air. Ouf, ça va. Heureusement que Dizai a un bon désavantage, mais ça reprend avec ce frame trap qui touche avec le up air, infinite air, down air, down B. Je dis des bêtises, c'est la fatigue. Down throw, up B, je voulais dire, mais c'est pas grave. Du coup, là, Rehan qui est encore en train de faire un combo. Ouh, Dizai qui a de la chance, qui a pu être envoyé vers le bas avec ce down air. De Luma qui va taper une fois, ce qui va permettre à Rosalina de grab, down throw, forward air. Et c'est la stock qui a été prise, plus qu'une stock pour les deux joueurs dans cette première game. De Luma hein, qui met la pression sur le shield, donc qui est très bon pour mettre la pression sur le shield du coup. Vu que ce Luma peut mourir à tout moment, et ça ne dérange pas plus Harmony, même si ça lui fait un allié en moins.
Et Aluma, en parlant de mourir, il vient de mourir, le pauvre. Et le forwarder qui a été trouvé pour sortir du ledge. Et là, 67% pour Desire. Desire qui n'est pas dans une bonne posture. La game s'est un petit peu inversée. C'est plutôt even, mais c'est un petit peu à l'avantage de Rehan. Parce que Rehan, sur une dance throw, il trouve un combo qui peut potentiellement tuer. Et le F-Smash de Desire qui va réussir à envoyer Rehan en offstage. Qui va pas tuer encore. Ça envoie le Luma. Heureusement pour Rehan, il a eu le bon timing sur cette roll. Parce que là, Desire, il l'attendait, hein, clairement. Il y a du mat qui va se donner. Nair into down B. La première game pour Rehan. Qui va du coup mener 1-0 dans ce set. Et là, les joueurs se marrent parce que Rehan, il a bien mash son down B. Pour bien que ça tue. Alors ça banne PS2, Kalos et Tongen City et ça reprend destination finale voilà, pour Desai. Rosalina and Luma. Le même match-up, hein, sauf qu'il y a eu un changement de couleur hein, pour Desai. Desai qui a pris Rosalina en blanc, non pas en noir, tout ça a l'air. Ce sera mieux, peut-être pas, c'est une carte de skin, on connaît. Et là, pour l'instant, il m'aime, hein, mais on sait jamais. Hein. Luigi, ça peut tuer à 6% comme on l'a vu tout à l'heure. Ça a fait très mal. Hein. La dash attaque qui a été annulée par le jab de Luma. Je ne sais pas si c'est interaction, mais ok. Et là, ouais, Desai qui. Et bien edgeguard de Luigi de Rehan. Hein. Rehan qui avait encore son saut, du coup, qui a pu s'en sortir et même toucher Desai pour reverser sa situation. Malheureusement pour Rehan, il y avait le Luma qui l'a attendu sur le terrain. Donc c'était un peu compliqué. Alors que là, le Luma il a pris tous les hits du monde. Et pour up tilt, ça n'aide à rien malheureusement pour Rehan. Il s'est réussi à prendre une bonne trop super. Et la première stock qui a été prise par Desai. Desai qui est là à 52% d'avance. Mais le B qui va prendre la première stock de Desai comme ça, nature. Ah oui. Ah Luigi ça tape hein. Ah, il en avait marre d'être derrière l'ombre de son frère. Hein. Oh, mais c'est incroyable. 40% là. 49%. Oh là là, mais Luma qui fait des passes à Rosalina, mais c'est incroyable. Le B qui va permettre à Desai d'éviter le ledge trap de Luigi. Malheureusement ça respecte pas assez le down B de Luigi qui on rappelle est invincible les premières frames dans les airs. La frame 1 littéralement. Donc ouais, faut faire attention quand tu vas prendre Luigi, faut pas commit, faut pas overextend. Le grab qui va trouver le down B qui va pas tuer parce qu'il y a une très bonne DI de la part de Desai. Belle tech contre ce back air. Malheureusement le Luma n'en sortira pas et Harmony non plus qui va se faire cueillir par ce up smash de Luigi. La casquette. Ça réussit à grab into back throw, into back air. Et le Luma qui a pris les dégâts du side B et Rosalina aussi. Oh non mais là, non, c'est incroyable. Mais c'est incroyable. J'ai plus les mots, j'ai même pas voulu commenter tellement c'était beau. Rehan qui a réussi à... Qui a dab actuellement. Qui a réussi à edgeguard Desai comme ça, nature. Oh là là, non. On voit pas.